pourra pas leur parler, on est très en retard ce soir. On va les laisser monter les marches très vite, tout le monde attend. Naomi Kawase qui arrive en bas des marches. Très très vite. Mise en place. Naomi Kawase avec son actrice. Ayame Misaki qui pose pour les fans. Naomi Kawase va peut-être parler avec ses fans du Japon. Non, il faut partir très très vite pour la montée des marches de Hikari vers la lumière. Le film de Naomi Kawase présenté ce soir, à mi-course du festival. Naomi Kawase et tous ses acteurs. Voilà la mise en place sur le tapis rouge dans un tout petit instant. Bonsoir, comment ça va ? Juste très très vite, votre sentiment avant de présenter le film au monde entier. J'espère pouvoir transmettre la lumière à tout le monde. Bah écoutez, c'est magnifique, merci beaucoup. La lumière passe toujours dans vos films, madame. Merci infiniment. Naomi Kawase, très très vite avec nous, qui a quand même voulu nous tenir à nous dire un petit mot. Composé par Ibrahim Malouf, qui doit être dans le coin, on va essayer de le voir. Il est là. En train de faire un selfie. Bonsoir Ibrahim, ça va ? Reste avec moi. Bonsoir. Oui, très bien. Comment vous avez tenu à travailler avec Naomi sur le film ? Comment s'est passé ? Alors j'ai la chance d'avoir reçu une demande de la part de Naomi. Et comme j'apprécie son travail vraiment, j'ai accepté avec immense plaisir. Et j'ai découvert une Naomi que je ne connaissais pas. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec elle. Vous avez écrit ou improvisé ? Ah non, j'ai composé vraiment, j'ai travaillé... Alors moi j'improvise toujours en écrivant, il y a toujours une part d'improvisation, mais j'avais face à moi des images extraordinaires, j'avais cette actrice qui illuminait complètement l'image et je me suis laissé inspirer par ce que je voyais, c'était de l'impro mais composé, voilà. Je vais vous laisser, vous devez y aller, merci beaucoup Ibrahim Malouf qui était avec nous, avec l'actrice du film et Naomi Kawase, ils vont se mettre en place pour la montée des marches de Hikari. C'est parti pour le film japonais en compétition ce soir, Hikari de Naomi Kawase. Et nous accueillons donc maintenant l'équipe de Vers la Lumière, menée par sa réalisatrice Naomi Kawase. Voilà donc Naomi Kawase qui revient à Cannes pour la... 2, 3, 4, 5, 6, 7e fois, 8e fois.
puisque pour elle, tout a commencé à la quinzaine des réalisateurs avec Suzaku. Elle était ensuite en compétition en 2003 avec Chara, en compétition avec La Forêt de Mogari en 2007, en compétition avec Anezo Notsuki. Elle était membre du jury en 2013 sous la présidence de Steven Spielberg. Elle est revenue en compétition avec Futatsume no Nado. Elle était là en 2015 aussi avec Anne, à un certain regard ce coup-ci. Et en 2016, elle était la présidente du jury Ciné Fondation. En 97, c'est ici qu'elle a été révélée au public en gagnant la caméra d'or avec Suzaku. Et elle a gagné le Grand Prix en 2007 avec La Forêt de Mogari. Un regard tellement particulier que celui de Naomi Kawase. Elle est accompagnée de ses acteurs, Nasatoshi Nazage, Koichi Mantaro, Tatsuya Fuji, Ayame Misaki, la jeune fille qui était avec Ibrahim Malouf. Masatoshi Nagase, que l'on avait vu ici en 89 dans Mystery Train. Il était revenu aussi en 2015 dans le film qu'il avait réalisé, Les Délices de Tokyo. Il avait un petit rôle aussi dans Patterson l'an dernier, le film de DJ Amouche. Et le voilà donc dans Ikari. Premier voyage à Cannes pour Koichi Mantaro. Tatsuya Fuji, ce n'est pas la première fois, mais on va d'abord laisser Thierry Frémaux accueillir Naomi Kawase, une habituée du Festival de Cannes. En basket, monsieur Malouf. Mais bon, avec votre talent, on va vous laisser passer. L'un des probablement plus grands trompettistes de jazz qui n'ait jamais joué sur une scène ou probablement monté les escaliers du Festival de Cannes, ça c'est sûr. Compositeur de la musique du film. Et à l'image, Tatsuya Fuji. Qui revient pour la quatrième fois à Cannes. Parce qu'il était venu en 1970 pour l'Empire de la Passion. Le Oshima, bien sûr. Il était dans l'Empire des Sens aussi. Il a travaillé avec Kyoshi Kurosawa. Le voilà donc chez Naomi Kawase, qui salue ses fans, qui salue le public. Revenu à la compétition avec le film de Naomi Kawase, Ikari. Et voilà, on va rentrer avec l'équipe du film dans le lobby du Palais des Festivals. Et on va écouter l'ovation réservée par les festivaliers Naomi Kawase.